Voilà, dans cette vidéo, je ne peux pas tarder, je vais vous présenter encore un autre film, une autre forme de liste, à part la liste, les maps. Mais maintenant, là, nous allons voir les sets. Donc, les sets, par exemple, unique. Unique. Voilà, c'est quoi les sets normalement? Et... Désolé, je mets égal là-bas. Je mets point virgule là-bas. C'est quoi les sets? Les sets, comme je décris là, unique, c'est une liste qui vient avec les éléments qui sont uniques. Ça peut pas se répéter deux fois. Ça peut pas se répéter deux fois. Unique, 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 ça revient une seule fois. Par exemple, je parle là des noms de gens qui peuvent pas revenir deux fois. Par exemple, Toto avec il. Je mets Lolo. Veuillez. Je mets Kipili. Veuillez. J'ajoute Capolo. J'ajoute. J'ai pas encore quel nom. Bernadette, Bernadette, ok, voilà, j'ai ces quelques noms là, je vais essayer d'afficher, paf, vous allez voir avec moi, en fait, j'ai pas encore affiché, désolé, j'ai dit print unique. Ok, voilà, j'ai print unique, j'ai règle, paf, j'ajoute, je vois la fin. Il y a Toto, il y a Lolo, il y a Kipili, il y a Capolo, il y a Bernadette. Vous voyez, si vous oubliez la parenthèse là, lui va annexer ça là-bas. Si vous oubliez la virgule là, lui va annexer. Moi, je mets la virgule, paf, et puis je me lance encore. Vous voyez, il y a Toto, Lolo, Kipili, Capolo, Bernadette. Donc, il y a ces noms-là. Alors, si je me mets à ajouter encore un autre nom à la fin, par exemple, j'ajoute Kipili. Ok, je mets la veille. J'enregistre, j'exécute. Vous allez voir que avec moi, après Bernadette, il n'y a pas Kipili. Parce que ici devant, il y a un certain Kipil qui se pointe. Même si je me mettais à ajouter encore Kipili, Kipili, Kipili 1000 fois, ça ne peut pas s'afficher. Lui, il compte seulement Toto, Lolo, Kipili, Capolo, Bernadette. Et les autres Kipili qui viennent là, ça ne peut pas s'afficher. C'est ça l'intérêt des sets à la différence des listes et des maps. Par exemple, si là j'ajoutais juste un élément, par exemple 2, ok, et que j'ai exécuté, vous allez voir que les 7 là, voilà, il apparaît carrément. Donc, c'est à vous de voir quand est-ce que vous pouvez utiliser les 7. Mais nous, avec notre futur projet, lorsqu'on va commencer à utiliser Dart, vous allez voir comment on va utiliser les 7 et autres, ok. Mais, petite notification, il se déclare de la même manière que. Les listes ici, vous pouvez ajouter encore string pour dire que ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est les chaînes de caractères. À bientôt, ciao.